On va faire un saut quand même ici. Nouvelle marchandise. Bah oui. Et de nouveaux crafts. Et de nouvelles cibles. Ah ouais, quand même. Obscurissime. Mais moi j'utilise laquelle là? C'est pas du tout verglaçante. Je sais pas si je dois la crafter du coup. J'en ai peut-être besoin pour un autre objet, mais... Pour le moment, ça n'a pas l'air d'être le cas. C'est celle-ci dont j'ai besoin. Il faut de l'or et calque. Minerai de sombre acier et corps primitif, ce sont des cibles. On voit ça grâce aux petites icônes juste à côté. Ça, je peux toujours pas le faire. Ça, je l'ai. Et ça, je l'ai aussi. Il y a du courrier? Ouais. Il m'en manque pas mal quand même des objets décoratifs. Vers un monde meilleur. Cher Clive, grâce à toi, nous sommes parvenus à défendre le Stange. Je ressens une fierté et une joie immense quand je repense au fait que c'est en terre rosalienne que Marquet et Homme Libre ont accepté de combattre côte à côte. Je suis convaincu que tous désiraient exaucer le souhait d'union sacrée de feu ton père, Sa Majesté Elwyn. Le courage dont tout ce petit monde a fait preuve en inspirera sans doute plus d'un. C'est une onde qui s'étend et qui crée peu à peu un monde meilleur. Moi en tout cas, cela m'inspire l'envie de continuer de me consacrer à mon travail. Aussi, ne te fais pas de soucis pour nous, Clive. Et ne perds pas de vue tes objectifs, Martha. Le dernier cristal mère. Cher Clive, la destruction des cristaux mères arrive à son terme avec Eshindrak à Valed. Je sais très bien que, quoi que je dise, tu n'en feras qu'à ta tête. C'est pour cela que je me contente de te le dire par écrit. Reviens-nous vivants, Otto. Ils viennent quasiment tous avec les 4 secondaires endgame. Ok. Merci. De toute façon, ce sera pas le plus compliqué à trouver, je pense. Faut que je parle aussi au bonhomme qui se trouve bah ici. Hein. Oula! Tuerais tout ce qu'il y a? Gobmouche, rang A. Personne ne retournera à Estla pour y habiter de nouveau. Pour autant. On ne peut décemment pas laisser les gobelins piller le peu qu'il reste là-bas. Si vous pensez être assez brave pour leur faire passer l'envie de revenir, votre aide sera grandement appréciée. Ok, c'était là où je me trouvais, je crois. Pas loin, en tout cas. Bigoule. Valed est devenu un véritable enfer infesté de monstres que l'on croirait venus d'un autre monde. L'un des plus infâmes d'entre eux est le Bigoule, qui semble prendre grand plaisir à tourmenter les quelques Valédois qui ne sont pas encore éthériques.
Ceux qui ont croisé sa route sont morts dans d'atroces souffrances, et si vous choisissez de le défier sans y être préparé, vous connaîtrez le même sort. Je vous enjoins donc à la plus grande prudence. Agni. Lors d'une mission de reconnaissance près de Griscombe, nous avons aperçu une bête gigantesque, visiblement éthérique. Les gens de la région nous ont appris qu'il s'agissait autrefois d'une créature affectueusement surnommée le Patron. Quoi qu'il en soit, l'éther l'a rendue folle. Il faut abréger ses souffrances avant qu'elle ne tue quelqu'un. Mauvaise rencontre. Rang A. Ok. Plusieurs voyageurs, ayant suivi la voie de l'or perdu, ont fait état de la présence d'une créature bleutée. Elle surgirait sur les chemins peu fréquentés, se dressant devant les malheureux passants pour les éliminer sans aucun espoir d'en réchapper vivant. Cette macabre abomination doit être éliminée au plus vite pour permettre à ce secteur de retrouver sa sécurité. Sphère déchue, rang A aussi. Parmi les rémanences restées en sommeil depuis la chute des Célestes, certaines se transforment en armes réagissant aux présences humaines. Celle qui a été signalée attaque en effet tous les passants qu'elle déteste et doit être neutralisée. Bah ça m'en fait 5 au total. C'est pas mal. On va peut-être faire ça avant toute chose. Comme ça, ce sera bouclé. Il n'y avait pas de rang S. C'est très bien ainsi. Hein. Donc, Valed, Royaume... Enfin, c'était S là. C'est là. Est-ce que j'ai l'endroit exact? Non, ça doit être carrément à l'intérieur de la ville. Je peux pas me servir du chocobo ici de toute façon. Je le vois bien là-haut. Tiens. J'ai le pif pour ça, moi. En fait, je me suis pas gouré du tout parce que de toute façon, il a pas de jauge. Ouah, j'ai eu chaud. Hein. C'est un fou celui-là. Salut Az, comment ça va? Voilà.
Il vient de me saturer. Ça va super, merci. Bon, Eden. Next. Alors, le prochain, c'est au royaume aussi de Valed, Vallon de Kritang. Kritang. C'est là. Let's go. Bon, j'aurais peut-être dû faire le plein de potions, mais je crois que j'en ai pas utilisé tant que ça non plus. Deux potions, une super potion, ça va. Je crois que c'est lui. Il ressemble à la photo. Dommage, je me suis un petit peu loupé. J'aurais dû faire Phoenix avant en fait, ouais. Je crois que ça ralentit un petit peu le temps en fait, surtout sur la jauge. Bon, un de plus. Maintenant, direction Griscombe. Ça me dit quelque chose, ça aussi. C'est là. Bon, on va dire que j'ai assez de potions. Faudrait que j'utilise les selles de force, j'oublie tout le temps.
Ah bah tiens. Ça tombe à pic ça. Hein. Il ne faut pas avoir de curl pour taper un petit chat. Pas mal, pas mal. Ton loup sans balèque que t'as battu un boss, il renifle par terre. Bah il charge des trésors. C'est un bon loup. C'est peut-être bien dans le coin là-bas, mais ça m'étonnerait. Déjà parce que c'est bloqué. Je vais quand même vérifier parce que j'ai pas envie de me taper un retour. Bon, ça doit être dans cette... dans cette zone là. Bah oui, c'était sûr. Iseki no mushi tte tokoro ka. Uchi no yō da na. Thank you.
Ouais, c'est passé, j'ai pas vu le chiffre exact, mais vers les 120 000, je crois. C'est pas mal. Alors, suivant. C'est au sillage de Titan le prochain. 118 000. Ah, c'est pas mal. En fait, faut vraiment que j'arrive à faire les trucs à la seconde près, quoi. Alors, sillage de Titan, c'est par là. Ah bah tiens, Kretov. C'est là où il y a le trésor. On va aller jeter un oeil après. Que moi les trésors, hein. J'ai le pif. Sillage du géant, c'est où déjà ça? C'est là. La voie de l'or perdu. Attends, 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 attends. Si tu recherches trésor et richesse, suis le chemin vers Kretov. Oui, mais en partant d'où? Ça se trouve, on l'a déjà trouvé en fait. C'est pour ça que ben on le trouve plus maintenant. Je peux jeter un coup d'œil rapide. Vous avez cherché un petit peu dans la ville, ceux qui ont trouvé la carte au trésor? Je mets en route mon odorat de sanglier truffier là. C'est toi qui as mon trésor? Ouais. Faut que je fasse le plein de potions par contre, je crois. Hein. Il reste ça. Et là, je peux pas y aller. Bon. Qu'est-ce qu'il me reste en potion? Prochaine cible. On y arrive. À mon avis, c'est dans l'espèce de cul-de-sac qui est au nord. Ça m'étonnerait pas. Ah bah non, c'est là.
mon raison. C'est bon, Vegeta, là. Pas mal. Eh ben, il m'en reste plus qu'un à 100 break, la braisière. On dirait une banlieue, quoi. La braisière, je sais plus où c'est, donc on va faire ça. C'est là. Je vais aller faire le plein vite fait de potions quand même. On sait jamais. Mitette chodai. Ça va en fait, j'avais ce qu'il fallait. Là où j'ai déjà affronté le roi Bombo. Mec, j'avais oublié, hein. J'ai dormi depuis, tu sais. Ils font quoi avec leur lampe à UV? On se croirait dans Room Raiders. Ah, je sais pas si quelqu'un l'aura celle-là. Ouais, faudrait un saut de téléportation comme dans Zelda, effectivement, ça serait pas mal. En fait, ils auraient pu caler un peu plus de téléporteurs. Genre là, en mettre un, c'était bien, ou pouvoir se téléporter dans ce genre de lieu-dit, quoi. D'ailleurs, c'est ici. Bon, du coup, ouais, c'est la dernière cible, c'est très bien. J'aurais pas mis trop longtemps à les faire. Bon, après, c'était pas des rangs S, hein.
Et j'ai pas vaincu celle-ci encore. En revanche, ça m'aura permis de maîtriser un peu Odin là. Ça s'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Du coup, j'ai peut-être des matériaux de craft pour certaines choses, mais j'ai pas l'impression. Si, je les avais toutes dévoilées, c'est pour ça qu'il n'y a pas de billes. Déjà, j'ai ça. Ah, par contre, ça m'a piqué une auricalque. Un auricalque. Ce qui fait que. Bah, pour l'épée, j'en ai un de moins. Bon, après, j'ai pas le minerai de son brassier encore. Il y a peut-être un moyen de les farmer, ces trucs-là. Faut que je tape certains ennemis, peut-être. On sait rien. Et ça, je l'ai déjà. Donc, en gros, il me reste que l'épée là. Si je comprends bien. En revanche, elle m'intrigue celle-là. Verglaçante. Matana. Bref. Ça sert à rien de retourner là. Et j'ai pas encore de récompense là? Avec tous les points que je viens de gagner? Il faut combien pour la prochaine? Ouais, je me doute que j'aurai assez d'oricalque. Konnichiwa, Clive. Chienhin no kakunin desu ne. Ah d'accord, à 20 points près, il y a les gants de Genji. Ça, je sens que c'est la dernière récompense. Ou l'avant-dernière. Toki-doki, nozoki ni kite kudasai ne.
Je vais m'assurer que j'en ai pas oublié. Je les prends en photo pour les trouver facilement, mais... Non, c'est bon. Allez, on enchaîne. Crystalmere d'Eshendrak, capitale du royaume de Valed. La route qui mène à la capitale royale, bâtie non loin du Crystalmere d'Eshendrak. Non, non, le dernier ennemi, je l'ai choqué une seule fois. Non, midlife, tu les chopes pas. Hein. Il est juste étourdi 2-3 secondes, je crois. Non, c'est trop bien fait ici. C'est le Mont Saint-Michel ou quoi? Je me disais aussi qu'on n'en avait pas encore vu de cela. C'est vraiment l'ennemi le plus emblématique pour moi. Dans les ennemis sérieux, j'entends.
クリスタル神殿はドレイクスパインの根元にある。城を越えないと。行こう兄さん。Il était vraiment sympa le combat. Carte ici. Tâchons de trouver les éventuels coffres. Tiens, tiens. C'est le cheval d'Odin. Plusieurs chemins. Ah mince, ça va pas jusque là-bas? Si. Oh le monde! Toujours qu'il y a un planqué.
crois que c'était tout. Hein. Beaucoup cet endroit. あの橋の先にクリスタル神殿があるはずだ。わかった。行こう。On y est presque. Arutema no kenzoku. Wa shinai. Wakatte koi.